Et salut à tous, c'est Zurias, j'espère que vous allez tous très très bien. Et donc on est parti pour la suite du let's play sur Far Cry 3. Donc c'est vrai que ce let's play sur Far Cry 3, il a eu un long stand-by. C'est vrai que je l'avais un petit peu mis de côté sur ma chaîne YouTube. Vous inquiétez pas, hein, je vais vous dire les raisons pour lesquelles je l'ai mis un petit peu quand même en stand-by. Il y a pas mal d'abonnés quand même qui m'ont envoyé des messages en me disant: ouais, est-ce que tu vas continuer le let's play sur Far Cry 3? Oui, vous inquiétez pas, je vais le terminer. Et d'ailleurs, ça m'a fait énormément plaisir, ces petits messages que mes abonnés m'ont envoyés. Ben, voilà, ça prouve que quand même il y a des petits abonnés à moi qui me suivent, donc c'est assez sympa de leur part. Mais voilà, ce let's play, c'est quoi ça en bol? Ce let's play, voilà, je l'avais mis un petit peu en stand-by, tout simplement parce que voilà, en ce moment, j'ai pas trop le temps de faire des let's play sur des jeux vidéo. Donc c'est pour ça que des fois, je ponds des petites vidéos par là, style walkthrough de Splinter Cell Conviction. Voilà, comme ça au moins ma chaîne reste toujours active et je vous propose toujours des petites vidéos de temps en temps. Mais c'est vrai que les let's play en ce moment, c'était un peu chaud patate pour moi, quoi. J'avais pas trop le temps, mais donc là c'est bon. J'ai re le temps et je vais essayer de continuer ce let's play de plus belle. Donc bien entendu, je vais essayer de recommencer le nombre de vidéos par jour. Donc je vais essayer de vous pondre une vidéo par jour, voilà, histoire de vous remettre dans le bain. Parce que moi, honnêtement, j'ai complètement tout perdu. Hein. Je me rappelle même plus je m'appelle comment, quoi. Donc voilà, faut moi aussi que je m'y remette dans le bain. Parce que j'ai complètement oublié. Voilà. Et bien écoutez, on va arrêter de parler. On va aller carrément à la quête. D'ailleurs, je me rappelle même plus. Je sais que ça, c'est la grotte où il y a tous les réfugiés qui sont dedans, mais. Bon, j'ai pas tout perdu non plus, quoi. Mais c'est vrai que, voilà, quoi. Quand on arrête de jouer un jeu pendant limite 2 semaines, quoi, je perds un peu, quoi. Hop. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Je pète le feu. Cool, parce que le bateau est presque prêt, on rentre chez nous. Je pars pas. Quoi? Mais de quoi est-ce que tu pars? J'ai trouvé ma place. C'est ici, sur cette île. Jason, t'es sérieux? Lisa. Je comprends rien à ce qui nous arrive. Pour la première fois, je sais exactement ce que je veux. J'ai pas l'intention de passer à côté. T'es enfin un homme. J'ai tellement attendu que ça arrive. Et maintenant, tu me laisses tomber. Au revoir, Lisa. Mais non. Lisa, laisse-le partir. Ok. Moi j'ai envie de partir avec vous. J'ai pas envie de rester sur cette île pourrie, moi. Putain. Il m'a parlé? Connasse! Allez, go, on se casse de là. Bon, bah, apparemment, on a trouvé notre place sur l'île. Enfin, bon, bref. Moi, j'avais envie de me casser, moi. Putain. Pourquoi il va rester là, là? Putain, c'est sûr. Oh là là, tout ça, il y a toujours ces petits chargements, là. Bouh! Allez, go. C'était dur. Plus dur que j'imaginais. Bah, ouais, mon gars, c'est dur! T'es con. Maintenant, l'agent glisse. Ah oui, mais attendez, j'ai peut-être compris pourquoi. Pourquoi il veut rester sur cette île. En fait, il veut tuer tous les méchants de l'île et après il se casse. Ok. Ça doit être un truc du genre. Bon, bref. Ou alors j'ai rien compris à l'histoire. Bah, bref. Donc, attendez, parce que là, faut que je trouve le point d'ailleurs que je sais même pas où il est. Hein? Voilà, comme ça au moins on est. Oh là, c'est chiant. Ah voilà, il est là. On va directement se téléporter. Je vais essayer de faire comme dans les épisodes précédents où vous essayez de couper le maximum de trajets possible, voilà, parce que c'est vrai que ça c'est chiant à regarder. Tiens, d'ailleurs, pendant les temps de chargement, je vous parlais d'un petit jeu là que j'ai essayé, je pense que vous connaissez sûrement, c'est League of Legends. D'ailleurs, que j'ai commencé il y a à peu près 3 jours, je suis niveau 6.
Et bah c'est vrai que ce jeu, je suis une grosse merde en fait. Donc voilà, c'était juste à titre d'information. Si vous aussi vous jouez à League of Legends, voilà, ça serait peut-être sympa de se faire quelques parties de temps en temps et me former sur le jeu parce qu'honnêtement, plus noob que moi, je pense qu'il n'y a pas. Beaucoup de nouvelles, je pensais que vous Donc. aviez Euh... quitté l'île. Non, je reste là. Sans moi, cette opération Bah, il reste là parce qu'à mon avis, il va en russe finir est avec en tout, point 41 avec en tous les écoute. méchants là. D'ailleurs, je me rappelle Je même suis plus un des pote noms. avec vous. Le Aussi, pote à Vas là, je vais merde, je me partir. rappelle plus. J'ai un service à vous demander. Aidez-moi à éliminer Hoyt. Hoyt, ouais, je crois que c'est lui. Hein. Autant essayer de trouver une nonne dans un bordel. En fait, le but principal du personnage, voilà, c'est de tuer Hoyt et après on se casse. Enfin, je pense que c'est ça. Enfin, je crois. Vous pouvez m'aider à y aller? J'envole l'île de Hoyt en rentrant vers la Russie, je peux vous déposer. Je vous envoie les coordonnées. Parfait, j'y serai. L'avion décolle dans quelques minutes. Ah. Avec ou sans vous? Ok, mon gars. Alors là, ça va être une course poursuite, j'en suis sûr, non? Enlève-toi. Ouais, j'en étais sûr. Yes, ça c'est bueno ça. En plus, j'ai un petit quad et tout. Attendez. Faut faire le tour ou. Ouais, on va faire le tour. On sait jamais. Ah, ce bon jeu quand même. Honnêtement, ce jeu, il m'a grave manqué, quoi. Putain. Je suis vraiment trop content d'y retourner, quoi. Allez, go. 4 minutes. Bon, ça devrait être possible quand même. Il nous reste 700 mètres à parcourir, ça va. C'est jouable. Par contre, j'aimerais bien débloquer le gros snipe dans l'armurerie, histoire de l'améliorer, de l'équiper un petit peu, parce que là, j'ai pas de silencieux, c'est un peu chaud cacao, quoi. Dès que je tire une balle, il y a tout le monde qui me repère, quoi, donc... vas-y, dites-moi pas que je me suis trompé de route. Non, attendez, alors là, on prend la deuxième à gauche. Ok, allez, c'est parti. Ou alors on coupe à travers les montagnes. Allez, go! On s'en bat les couilles. On va couper à travers les montagnes, nous, on est des malades. Oh putain! Wouah! Ok, on a rien. Énorme. Ah ouais, le truc il fume un peu là. C'est pas grave, on s'en fout complètement. Nous, on trace. J'espère que je vais pas tomber. Je suis tombé sur quoi là? Attendez, j'ai peur d'y aller quand même parce que imaginons que je tombe contre une troupe d'ennemis là, faudrait peut-être que je me prépare quand même. On va y aller mollo. Hein. Ok, j'arrive mon gars. Allez, 100 mètres à parcourir. Comment on fait? Ok, j'ai même perdu les touches pour changer d'arme. C'est génial. On va prendre le gros snipe. Voilà, c'est ce gros snipe que je vous parlais. Là, je l'ai pas encore débloqué dans l'armurerie. Ça... Oulala, mais attendez, on va y aller en mode. Wouah, mais attendez, wow, c'est Claude, il perd de la vie là. Oh ce bordel! La vie qui perd le pélo quoi! Attendez, faut vite que je rush là! Là on n'a pas le temps là! Oh la vie qu'il a perdu en un seul coup quoi, c'est abusé! Et là mon gars, tu dis quoi là? Ah génial, on a un petit coucou! Ah, comme par hasard! Et là moi j'en suis sûr qu'il faudra que je le couvre! Voilà, protégé! Ok, on est parti! Bah écoute, on va prendre le snipe. Hein. Hop, allez go, on est parti. Oh putain, je les vois là-bas. Par contre, ces mecs, ils me font trop flipper là avec leur machette là. Oh, ce qu'il a pris. Oh, c'est abusé. Hop, nickel. Il y en a encore là. Allez, à la benne, la baleine. Arrêtez de bouger dans tous les sens, toi, petit con. Hein. À la benne. À la benne. Et à la benne. La baleine. Oh putain. Ah bah c'est bon. Bon, tu vas te grouiller pour réparer ton avion à la con là. Oh putain. Oh, ça arrive de tous les côtés. Ok, alors là mon coco. Comment on fait pour te jeter? Ah c'est bon. Ouais, j'ai un petit peu perdu les touches, vous voyez. Toi tu vas péter mon gars. Faut arrêter ta mère, mais je t'emmerde. Il est ta merde. Oh merde. Il y a un gros bonus là.
Ah, il se recule, cette vieille tapette. Je l'ai tué, là. Ouais, il est mort. He's dead. He's motherfucking dead. Oh, mais attendez, oh, j'ai une batteuse, là. Pourquoi je m'en suis pas servi plus tôt, moi? Ils sont où, là, les mecs, là? Plus personne? Bon, bah, les gens, il y a plus personne. Oh, il y a même des mines. Putain, en fait, il y avait plein de trucs ici. Putain, attendez, c'est un bug du jeu là où il n'y a plus d'ennemis? C'est bizarre ça. Ah non, mais ils étaient bloqués. Oh oui, d'accord. Si, si, il y a encore des ennemis, je vous confirme. Oh là. Ouais, par contre, ça craint un peu ça. Putain. Ouah, trop GG la grenade là. Oh. J'ai jeté une grenade là-bas. Putain, elle est vraiment trop bien cette petite MP5 là. Par contre, j'espère pas que ça va faire cramer la forêt parce que je vais pas être dans la merde. Putain, faudrait qu'ils arrivent de par là, les mecs là. J'ai une grosse batteuse. Ça a pas l'air. Attendez, je vais me rapprocher. Je sais pas, j'ai l'impression que les ennemis, ils ont du mal à venir, là. Je sais pas si c'est bugué ou quoi, mais... C'est bizarre, ça. Ah, 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 ah. Oh, putain, alors là, mon gars. Motherfucker. You fuck my wife, man. Ok, je tiens n'importe comment et ça marche. C'est génial. En même temps, c'est le but d'une batteuse. Oh là là, mais là, c'est... Oh, 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 c'est hot potatoes, les gars, là. On va se calmer. On va se calmer direct. Non mais pousse-toi, petit con! Alors, je crois... plus abruti, je crois... Quoi? Messieurs, nous sommes dans la merde. Ça chatouille, tu vas voir si ça chatouille longtemps, petit con. Putain, c'est quoi cette mission de barbarie, là? Oh là là, les gens, les gens. Heureusement, j'ai des petites seringues sur moi. Ok, l'autre, il est dans la merde. Attends, mon gars, j'arrive. J'arrive t'aider. T'inquiète pas. Voilà. Tiens. Enfoiré de merde. Putain. Eh, c'est hard, ouais. Montez. Vous allez en Russie avec ce coucou? Les rires changent d'aviron à Singapour. Vous saviez qu'il est illégal de mâcher ou d'acheter du chewing-gum à Singapour? C'est pourtant l'ADN de l'Amérique, le chewing-gum. C'est carrément comme une déclaration de guerre à l'oncle Sam. Merci. Oh, je voulais le conduire, moi, l'hélico. Montez. Enfin, pas l'hélico, l'avion, je suis con. Montez, je vous dis. Non, j'ai peur de toi, petit con. Oh, j'aimerais trop le conduire, quoi, le vieux coucou, là. Mon ami Sam est implanté chez Hoyt et ses hommes, à Thurston. Si vous sifflez l'hymne américain en traînant au Crazy Cock Bar, il saura que je vous envoie. J'ai donné ma vie entière à l'agence. J'ai fait mon lot de magouilles, mais ça va me rapporter gros. Eh ouais! Je vais bientôt sortir de ce trou! Un écran noir, ah, super. Et salut à tous, c'est Zora, j'espère que vous êtes tous heureux. Et on se retrouve pour un écran noir. Oh là là, ces chargements là, putain, il y en a tout le temps, quoi. C'est horrible. Oh, what the fuck. Je crois que j'ai pas mis les sous-titres. D'ailleurs, faudrait que je les mette. À chaque fois, j'oublie de les mettre, ces putains de sous-titres. I don't see. C'est que ça fait flipper. Ouais, bah écoutez, les gens, on va les mettre tout de suite, d'ailleurs, les sous-titres.
Ah, non, il veut pas. C'est là que je vous drape. Il vous reste qu'à vous envoler. Vous êtes sûr qu'il fonctionne, ce wingsuit? Non, non, petit. Bras et jambes tendues et ça ira tout seul. Bonne chance pour la Russie. Un patriote reste un patriote. Camarade. Camarade de Meurie. Ouais, et là, parachute A, B, C. Ouah. Oula, oula, oula. Comment ça se conduit, ce truc de merde, là? Ah oui, d'accord. Je crois que cette tenue, enfin moi, enfin je connais pas le nom. Oh, les rochers. Ouah. Ouah. Comment c'est énorme, ce truc. Ouais, je connais pas la tenue spécifique, là. Enfin, le nom spécifique de la tenue. Mais moi, pour moi, j'appelle ça la tenue écureuil. Putain, il y a un animal, là, comme ça, là. C'est un genre d'écureuil et tout, et qui peut voler. Je me rappelle plus du nom. Je le mettrai dans la description si j'arrive à retrouver son nom. Mais c'est un petit écureuil, en fait. Il a comme des espèces de poches sous ses bras, et ça le permet de voler, en fait. Ça lui permet de voler. Ça me fait penser un petit peu à ça. Bon, bref, passons. On va essayer de se les faire. Il y a déjà un tigre, on va s'en servir. On va s'en servir du tigre. Ok, c'est parti, les gens. On lâche le tigre. Ok, toi, t'es mort. Toi, t'es mort. Lui, il va bientôt prendre cher, là. Et toi, t'es mort. Ok, on est bon. Par contre, le tigre, maintenant, faut que je le tue. Sinon, il va me bouffer, hein. Putain, c'est vraiment énorme, quoi. J'adore les chats, excusez-moi, mais... Enfin, ça, c'est un gros chat, mais... Ce snipe est vraiment énorme, quoi. C'est abusé. Fouille un peu les cadavres. Ça, c'est un truc que je fais jamais, fouiller les cadavres. C'est vrai que... Ah non, mais pas ça. Voilà. Est-ce qu'on peut prendre le camion? Ah, point positif. On peut prendre le camion. Ouais, tiens, en parlant du tic, est-ce que j'ai fini toutes mes confections, moi? Confection. Tous. Ah, flèche spéciale. Ah non, mais ça, c'est pour... bah écoutez, bah, j'ai fait toutes les confections. Putain, c'est pas... Je m'en rappelle même plus. Allez, bon, on va prendre le camion et on va se casser de là. Bon, bah c'est génial. Maintenant, j'ai un parachute écureuil. Je vais appeler ça comme ça. Mais faudra vraiment que je le retrouve, ce nom là, de ce petit écureuil qui vole là. Allez, go, on est parti. Ça fait, attendez, 16 minutes que je filme. Ok, on va continuer. Voilà, attendez 3 secondes. Là, j'ai l'impression qu'on arrive près d'un camp. On va y approcher mollo, hein. On va s'y approcher mollo. On n'est pas pressé. Quand, mais rempli d'ennemis ou... J'ai l'impression que ça pue l'ennemi dedans. Mais d'une force. On va bien voir. A crazy cock. Ok. Un bar à poulet. Un bar à coq. Non, ah non, apparemment c'est un village sans soldats. Bon bah, je me suis excité pour rien. Crazy cock insiste. Crazy cook. Salut mec. Oula. Cet endroit fait flipper, messieurs. Salut. Salut. Hier? Ouais. Je cherche un ami. Un type qui s'appelle Sam. Je connais qu'un seul Sam. Il y a souvent des parties de poker dans l'arrière-salle, entre les hommes de Hoyt. Vous feriez peut-être bien de vous y faire inviter. Moi, je vais y aller, moi. Je suis un fou, moi. C'est là, la salle arrière, là? Non? Oh, bah non. Si, en fait, c'était bien là. Jouer au poker, ça pose un problème? Tu perds ton temps si tu peux pas payer ta place. Ça
ira. C'est bon. Allez, entre. Une pièce secrète. Oula. Je sens qu'il va y avoir une baston. Il commène à la table, le nouveau. Assieds-toi. Ah d'accord, ok, c'est moi qui joue, ok. Ouh là 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 là. Alors, comment on fait pour regarder? Je suis. Suivi. Excusez-moi les gens, mais je me couche, moi. Donne-moi une main correcte et je joue avec toi, mec. Je vais checker. Je relance. Je vais suivre. Je sais pas ce qu'ils ont les mecs, mais ils ont quand même un jeu assez agressif là. Ah, j'aurais eu une paire. Je vais checker. Je vais relancer. Suivi. Bon, c'est pas que j'ai pas envie de jouer au poker, mais j'ai peut-être envie de faire une mission, non? C'est un peu le but de la vidéo. Main terminée. On s'en fout de la main. Mais en fait, faut tous les gagner là pour faire la mission ou quoi là? C'est bon ça. Bon allez, la prochaine au pire, on va suivre, on s'en bat les couilles. Je sais pas, peut-être en fait le but c'est de tout simplement suivre. Je sais pas du tout. Ah, ah, on a un as. Ah non! Tu vas pas arrêter de jouer, connard, j'ai un as. Jouer! Bande d'enfoiré. Bon, cette partie m'emmerde. Terminé pour ce soir. Quoi, déjà? Quoi? Tu veux que je continue à jouer, Carl? On devrait monter les enjeux, alors? Non, non, Sam. Je disais ça comme ça. Good. Les gars, j'ai un as. Continuez. Continuez. Madame Fleury. Moi aussi, j'arrête. On voit ces bandes de losers. Bandes de cheaters. Là. On ne rembourse pas. Vous êtes des wallers, les gars. Vous avez vu que j'avais un as. C'est pour ça que vous avez flippé. Bande de clochards. Là. Ah oui. Très bien. Deux secondes, boum, je me retourne, il n'y a plus personne. Très très bien. Bon. Pour qui est-ce que tu travailles? Mec, je suis un pote. Tire pas. J'ai une binouze. Willis. Et comment il va? Je me fais un sang d'encre pour ce type. Il y a des années que j'ai aucune nouvelle. Il va bien. Enfin, je crois. Lance. Je pense comprendre que ça veut dire viens. Il me fait penser un petit peu à Florent Pagny, lui. Où est-il parti? Non mais oh là, les gars, là. On va arrêter de cheater, là. Les mecs, ils sont là, il y a deux secondes, boum, je les suis, et boum, il n'y a plus personne. Oh, on se calme, là. Les mecs, c'est des cheaters, quoi. Ils se téléportent. Mais en fait, c'est mes potes, là. C'est bizarre, quoi. Qui a pleurniché toi, hein? Tu as un coup de boule? Je suis méchant quand même. Ah, 8 nouvelles armes disponibles. Ah, je vais peut-être avoir ce putain de sniper de fou là. T'as perdu tes clés? Mais ici, il n'y a que des criminels. Ils se rendent pas compte. Cette racaille gobe n'importe quoi. Tout le monde croit que je suis un dur juste parce que je viens d'Allemagne. J'ai même eu une promotion à cause de mon accent. Assieds-toi. Alors, quelle est la mission?
dois tuer Hoyt. Scheiße. Mais attends. Tu es ce Jason Brody, hein? C'est toi qui as tué Vaas. Ouais. Mais t'aurais dû le dire plus tôt. Il faut qu'on te planque. Hoyt, il fera tout pour réussir à te coincer. Ça va être compliqué. Le problème, c'est que tu es victime de ton succès, ya yeah? Les autochtones se rebellent contre Hoyt. Alors il a augmenté la sécurité. On doit saboter toute son organisation, sinon le tuer ne servira à rien. Cela dit, Hoyt ne sait pas à quoi tu ressembles. Il n'a entendu parler que de ça. À quoi tu penses? Oh, de rien. Oui, c'est ça. Tu dois te faire engager dans sa milice. Non, ne dis rien, écoute-moi. Nous allons opérer ensemble tous les deux. Il va falloir que tu t'infiltres. Mais pour commencer, c'est l'habit qui fera le moine. Comment ça? On va voler un uniforme. Je sais que les nouvelles recrues sont prises en charge sur les quais pour leur incorporation. Tu vas en trouver une, prendre son uniforme et tous ses effets personnels. Et tu te débarrasses du corps. Quand c'est fait, tu me contactes sur cette fréquence. Ça, c'est bon, mon gars. En plus, je la trouve stylée, leur tenue, là. Bon. Approchez-vous, prudent. Jason, tu as réussi à atteindre l'île de Hoyt? Ouais. Tu te rapproches du bout de la voie. Ah, l'île de Hoyt, il a dit. D'accord, en fait, ok, bah maintenant on est sur la deuxième île en fait. Là, c'était la première île. Et bah là, il y a une deuxième île, ok. Citra est convaincu que tu vas devenir le guerrier le plus puissant de la tribu. Le tatouage sera complet. Si tu survis. T'en fais pas pour moi. Je le savais, Jason. Pour atteindre le centre du monde, tu dois. Oh putain, voilà les autres guignols là. Wouah. Et la voix doit compter. Je sais ce que je fais. Bonne chance. Bon, bah maintenant faut qu'on pique un uniforme sur un soldat, qu'on le bute et qu'on cache son cadavre. Donc, et bah écoutez, j'ai un petit peu la flemme de faire tout le tour. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va hop, bim, on va complètement tracer. J'espère qu'il n'y aura pas de crocodile. Des crocodiles, parce qu'ils me font flipper, moi, les crocos. Hop, merde, je crois que j'aurais dû garder mon 4x4. Pas voler là, non, bon, personne derrière. Bon, bah, let's go. J'entends des gens parler, ouais, effectivement. Est-ce qu'ils vont me voir? Ok, allez, go. Ils m'ont pas vu, j'ai eu de la chance. Heureusement que c'était la nuit. Sinon, je pense qu'il m'aurait vraiment repéré, quoi. Ouais, mais par contre, le mec, il m'emmène où, là? Oh, putain. Oh. Ah, les enculés m'ont repéré. Comment je fais pour mettre mes flèches, là? Oh, attendez, les gens, on va vite se casser. Putain, ils m'ont repéré comme une vieille merde, quoi. Oh là là, là 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 là. Attendez. Je veux juste faire un truc. Oh putain, non, merde. Ok, j'ai réussi à les semer. Je voulais mettre mes flèches explosives, mais j'ai l'impression que j'en ai plus. C'est quoi ça? C'est des vaches? Ah non, c'est des petits. C'est des cochons. Ouais, j'aimerais trop me resservir de la tenue là. C'est trop stylé, quoi. Venez, on essaye de sauter là. Je sens que je vais mourir, mais bon. Bah, moi j'ai pas envie d'essayer là, sérieux. Juste pour là, pour voir. Ah, c'est énorme. Personne ne doit me voir tant que j'ai pas changé. Ouah, ouah, ouah. Ah oui, d'accord. Ok, personne doit le voir, ok. On va arrêter de faire le con. Je tue quelqu'un maintenant, ça va les alerter. Pénétrer. Comment on fait pour jeter là? Je me rappelle plus. Merde, je me rappelle plus des touches, les gens. Je crois que ça c'est la grenade.
Ok, c'est ça. Ok. Parce qu'apparemment, si je tue le mec, je vais me faire repérer. Ok, c'est bon, il a entendu. Allez, va là-bas. Vous êtes sérieux? Comment il a fait pour me repérer? Oh non! Je sais pas, j'ai descendu. Boum, le mec il m'a squatté quoi. Boum, allez. Ce jeu est cheaté. Non, je déconne. Non, j'ai dû tomber d'un petit caillou et je sais pas, j'ai dû faire du bruit en tombant. Bizarre, bizarre. Enfin bon, c'est pas grave, on va recommencer. Putain, déjà 30 minutes les gens! Oh fuck. Bah écoutez, on va essayer de finir la mission. Allez, cadeau. Pour la reprise, on va faire un gros retour. Là, ça sera le retour sur Far Cry 3. Ouais, ok. Donc on va éviter de se faire repérer cette fois-ci. Étant donné que je peux pas le tuer, ça par contre, ça me fait vraiment chier. Parce que le cadavre, on aurait très bien pu le tuer et le cacher, quoi. Mais non, apparemment, on peut pas. Donc le mec, attendez, tant que je trouve. On va acheter un caillou par là. Ok, c'est bon, il a réagi. Ok, il m'a pas repéré. Pas sauter là-dedans, c'est trop risqué. Moi, cette mission, moi, elle me fait stresser, les gens. Hein. Attends, on a même pas le droit de se servir du couteau, quoi. L'arnaque. Maintenant, ça va les alerter. Faut aller où, là?